Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playrooms de l'épisode 2 Elite Dangerous. Et vous entendez autour de moi qu'il y a du combat. Ça tire sur d'autres cibles. Apparemment, lui est venu foutre la merde dans le tas. Garde de l'alliance. Pourquoi il se fait agresser? Ah bah écoute, moi il n'y a pas de soucis. Hein. Bien sûr! Il n'y a que moi qui l'intéresse. Aïe, il y a contact. Il y a eu contact. Hop, j'utilise une. Ah bah ils l'ont eu. Qu'est-ce qu'il est venu faire là, ce bonhomme? Il est débile. Bon, c'est des choses intéressantes. Non! Oui, je peux récupérer mon dissipateur thermique. What? Mais c'était violent ce qui lui arrivait au pauvre garçon. Remarque, c'était rigolo. Il a fait la chose à ne pas faire. Venir dans le mauvais système. Peut-être pour lui. Un autre dans le coin qui soit sympathique. Ah, pourtant j'ai de la sympathie pour ce... pour ce système d'un seul coup. Ah, le type 9 et vie, tiens. Yo. Scan detected. Ah. Martine Dargat. Salut Martine, comment vas-tu? La mère de mon meilleur ami s'appelle Martine. Je vaux mon pesant d'or. Tu sais que j'ai déjà les armes de sortie. Tiens, regarde. Ah bah mince. What the fuck? Ah, je l'ai pas vu venir ce coup-là. Ok, on redresse. Oh la vache! J'ai pas mine de me bourrer, hein! Il fait pas mine! Je pense que ça vaut pas la... c'est pas la peine de ne pas préciser qu'il ne fait pas mine! Raté! Hop, et t'es fichu! Crac! Oh là là! Oh là là. Ah, lui, il était pas content. Je suis pas content. Bon, bah ça change avec l'épisode précédent qui était un petit peu... ils ont un peu moins fun. On va faire remonter les boucliers un petit peu parce que là, ça va pas le faire. Ok, ok, je quitte les lieux. Oui, monsieur. Bon, mais d'abord, faut que je trouve une autre... un autre lieu de voyage. Vassista ! Il y a des élections. Il va y avoir des trucs de meurtre encore. Loi martiale, ouais, tu parles. Il y a autre chose dans le coin. Kunafu. Élection aussi. Il pète. Ah bah voilà, il pète. Putain, mes élections aussi. Bref, j'ai arrêté de faire la mouche. Ça ne va pas. Je trouve pas ce que je veux. On va aller voir ma mère. Aucune situation, bah écoutez, c'est une bonne raison pour aller voir ma... Will Green, qu'est-ce qui t'arrive, Will? Will? Oh merde, pauvre Will. Je ne le vois pas apparemment. Ou alors je me trompe, il lui arrive rien en fait.
Bref. On y va. Ah bah oui, c'est vrai. Crac. Hop. MCC 528, on va encore se déplacer, on va aller voir si oui ou non on trouve des choses. Hop. J'adore cette pièce de bureau, c'est incroyable. Mais enfin bon. Enfin. Bon, est-ce qu'on va trouver quelque chose d'intéressant? Un système, je sais pas, n'importe quoi. Ok. Est-ce que je peux avoir un petit coup de détecteur, s'il te plaît? Merci. Crac. Bon, toujours ça de pris. Hop, on fait le plein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Hop. On ressaute. On a encore deux sauts à faire derrière. Tiens, ça arrive. Et ensuite, on va arriver chez notre mère. Toujours retourner dans les jus de maman. Ça se passe toujours comme ça, de toute façon. J'ai tellement fait violenter comment? Merde, zone de conflit à faible intensité. Mon cul, Lulu. Que oui, je préfère retourner dans les jus de ma mère. Au moins, on y est bien. Tu viens, on est bien. Alors. Rien d'intéressant dans la zone, en tout cas. Ok, on repart. On repart. Hop. On va bien voir, après tout, on va bien voir. Je cherche des endroits sympas, de la Fédération, je pourrais faire quelques missions, tout ça. Les endroits de grind, entre guillemets, de level up abusé pour la Fédération, sont extrêmement loin. Plus de 30 sauts, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Alors. Ah, bah, il y a de la chose à découvrir. Ah, puis il y a de l'endroit. Zone de sécurité, sécurité faible. Site d'extraction de données dangereux. Dommage. D'extraction de ressources, pardon. Ah, il est dangereux. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah, c'est con. C'est vraiment con. Il n'y a aucune merde. Eh ben, on s'en va de chez maman. L'oiseau prend son envol. L'oiseau prend son envol, chers amis. Hop, la Fédération n'a plus de zone dans le coin, cela dit. LTT, non, j'aime pas tout ce qui s'appelle LTT. Locans. Exploitation minière. Brulao. D'accord. Mochucos. Mochucos. Qu'est-ce qu'il y a à Mochucos? Il y a la guerre. Eh bien écoutez. Tiens, il y a Aurora. Ben, on va aller à Aurora. Hop, il n'y a rien du tout. Ah, agriculture industrie. Là, ça peut être intéressant. On n'en a pas fait encore de zone à aller vérifier ce qu'il y avait, ce qui se passait dedans. Donc je pense que ça pourrait être sympa. C'est la première qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'ai envie d'y aller, il y a combien de sauts? 4 ou 5? 3, ça va. Ah, ça va. Ça va. Perso, ça va. Ça va, ça va. Allez, c'est parti. Oh, mais je suis à fond de cale. Ça y est. Hop. Premier saut. C'est la balade des gens heureux. Alors, ici on trouve quoi? 10. Ça va? Pépis. Non, pépis parce que... Pas non, rien. Allez, deuxième saut.
Deuxième saut. Honnêtement, j'espère qu'on va y trouver des choses un peu plus intéressantes. Souvent, l'avantage de l'exploitation agricole, en fait, c'est qu'il faut envoyer, c'est-à-dire emmener des livraisons de bouffe. Et du coup, bah, ça fait des missions. Parce qu'en fait, souvent, si on a, comme là, on a une cargaison de 160, si on arrive à avoir plusieurs petites cargaisons à 100 000, par exemple, ça peut faire rapidement beaucoup de sous. Donc là, faut vraiment prier, je crois qu'on a potentiellement des sous, là. Ok. Ok, ça se passe plutôt bien. C'est bon, on y est. Crac. Dernier saut, et on va pouvoir enfin voir s'il y a moyen de se faire des sous dans ce système. Ça fait bien de se balader un petit peu aussi, hein, ça change. Hein. Parce que mission, c'est bien, hein, c'est rigolo, mais bon. C'est rigolo 2 minutes, mais après, c'est plus très drôle. Alors, c'est un peu long. Ah. Hop. Fuel scooping. Fuel scooping. Voilà. C'est bon de ce côté-là. Alors ensuite. Ouh, il y a des choses proches en plus. Ah. Bien. Bien. Bon. Ça commence assez bien, chers amis. Voilà, là je dois vous l'admettre. J'ai de l'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Elle est déjà à 500. Oh, ça me semblait plus proche. Why not, hein. C'est pas si proche que ça en fait. C'est pas si proche que ça. Bon, un petit peu de route à faire. Hein. Hop, voilà. J'essaie d'aller regarder vite fait s'il y a quelque chose à faire là-dedans. Oh, mais c'est chiant cette chaise. Dirigeons vers Collins Gateway. Alors, attendez, parce que du coup, il faut que je me remette bien. Bien la bonne pourtant, bizarre. Ok, oula, je vais la louper si je continue. On peut pas faire deux choses à la fois, Marcus. C'est, j'ai deux mains. Je vous dis pas ce que je peux faire avec deux mains. Les deux choses que je peux faire à la fois. Ok, alors je vais pas vous mentir, ça m'inquiète un peu ce que je viens de voir. Ça m'inquiète de plus en plus. Apparemment, on n'a pas de bol. Parce que là, par pur intérêt. Par pur. Oui, je voulais même m'y intéresser. Bah, par pur pour voir ce qu'il y avait dedans, en fait. Quoi. Par pur intérêt, on va dire. Non, parce qu'intérêt, ça fait pas. Par pure curiosité, voilà, plutôt. C'est mieux. C'est bien mieux. Je me suis intéressé à ce que je pouvais fournir en tant que commerçant, en tant que marchand. À droite, à gauche, et il se trouve qu'il n'y a rien. Ok, merci. Il n'y a rien du tout. Du coup, ça m'inquiète un peu. Oui, bah, je viens de la demander, la demande d'avantage. Merci de me la fournir, merci. Ça m'inquiète cette histoire. Ça m'inquiète un peu. Oui, madame. Oula, elle a dit immédiatement. Elle avait pas l'air contente que je roule un peu vite. Enfin, que je vole un peu vite. Excusez-moi, madame. Et excusez-moi. Hop. La 20, elle est où? Là. Hop. Hop, on tourne un petit peu par là.
Hop. Hop les voilà en douceur. Ok, bon. Bon. Est-ce qu'on tente déjà de... Alors, déjà j'ai envie d'aller voir comme d'habitude le chantier naval pour voir ce qu'ils ont comme vaisseau. Un killback, un T6, un Cobra 4, Cobra 3. Oh, d'accord, rien d'intéressant. C'est dommage pour le... comment que s'appelle le... Mince. L'aspect Explorer, ils l'ont pas. De toute façon, on sera peut-être pas encore là quand on aura les 110 millions. En tout cas, je l'espère. Quoique, ça peut être intéressant. Si c'est rentable, extrêmement rentable, ça peut être intéressant de rester ici. Mais bon, on va bien voir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Dis-moi tout. Bah alors, t'es pas causant, hein. Ah, ça y est. Ah, ils ont des problèmes d'otages? Ah? Parce que là, franchement, 37 000 crédits, c'est pas... C'est pas magique. Je suis déçu. Je suis violemment déçu. On a quelque chose un peu plus proche, là? Pas trop loin? On va aller voir Walter. Faites comme si j'étais pas venu. Je vais aller voir Walter à côté parce que là, franchement, c'est pas top. Ce que vous me fournissez comme mission, c'est vraiment pas top. Je m'attendais à mieux. Franchement, je suis un peu déçu. Bon, pas top endroit. J'aurais dû m'attendre à ça. Mais bon, c'est les lois du jeu, hein. Honnêtement, qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Qui sommes-nous pour oser Ah, il me manque une partie de mon interface. Tout le côté droit, en l'occurrence. C'est bon, elle est revenue. Oh, c'est bizarre, je me rappelais pas que le machin est resté à gauche. Ça me choque, en fait, maintenant. Hop, c'est parti, on va bien voir, hein. Crac. Walter, est-ce que t'as plus de choses à récupérer chez Walter? Non, rien. Ils ont rien. C'est une voie, un commerce d'agriculture de pauvres. Oh, y a rien à y choper. C'est d'une dèche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah. Oh non. Non. Je n'en veux pas. Trois menaces, vous êtes trop fous. Par contre, il se passe pas grand chose. Là, vous voyez, je me viens de me reposer dans le fond de mon siège. Voilà. Et il se passe rien. Ok. Rien d'intéressant. Trois. Ok, bon bah écoutez, on a vraiment pas de bol. Je vais regarder un petit peu sur internet ce qu'il y a autour, mais il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien. Bon bah écoutez, tant pis. Hein. Tant pis. C'est comme ça. Alors.
On va aller voir s'il y a plus de missions à Walter Gateway. Honnêtement, j'en doute un petit peu, plus on est beaucoup plus loin que prévu du coup. J'en doute un petit peu. Alors, allons-nous réussir à nous en approcher? Oui, c'est bon. Wouh! Alors, oui, parce que je m'approche du siège, enfin du bureau aussi en même temps. Hop. Hop. Oh, il y a le logo de la Fédé. Le logo de la Fédération ici, regardez ça. Hop. Alors, on est en excès de vitesse. Ah, on est à 100 mètres par seconde, d'accord. On est à 100 mètres par seconde. Scan detected. Ok, on est où? 20, c'est ici. Hop. Oula, peut-être un petit peu trop vite, Marcus. Oh là 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 là, tu bourres là, Marcus. Tu bourres. Y a pas de raison de bourrer comme ça, dis donc. Crac. Alors. Voilà. Bon, on a bourré l'atterrissage. Je dois reconnaître que là, pour le coup, on n'a pas fait très fort. Bon. Service de spatioport. Serrez les fesses, serrez les doigts, croisez les fesses, croisez les doigts. Faites comme vous pouvez, en tout cas. Déjà, chantier naval, est-ce qu'on a déjà une bonne chose? 9 vaisseaux, T7, Fédéral Dropship, ASP Explorer. Serrez les fesses. Est-ce qu'il y a des missions? Je ne regarde pas. J'ai les mains devant les yeux pour vous dire. Ça me cache aussi les joues. Est-ce qu'il y a beaucoup de missions? Dites-moi s'il y a beaucoup de missions. Vous pouvez pas me dire, j'imagine. Enfin non, c'est pas vraiment s'il y a beaucoup de missions, mais est-ce qu'il y a beaucoup de missions intéressantes? Bon, je vais regarder. Ah, il y a de la mission. Bon. Minage. Oblitérer les Makanean Angang Protecteur Sentinelle. D'accord. Ah, c'est rigolo ça. Comme mission. Je pense que je vais prendre. Ouvrir la carte de la galaxie. Ok, merci. Ça m'aide vachement. Bird Enterprise, c'est où? Ross 682. D'accord. Ross 682, il me le montre pas. Hein. C'est un peu fuck-it là, hein, pour le coup. En même temps, si je suis peut-être à cause de ça. Ah oui, il est là, effectivement. D'accord. C'est moi qui suis stupide. Ok. Nous avions donc dit Bird Enterprise de mémoire. Ah, un instant. Je reviens, chers amis. Re, chers amis, excusez-moi, un petit coup de fil important malheureusement. Hop, ici. Alors, c'est donc ici, sur cette planète-ci, d'accord. Mais mince. Bah, excusez-moi. Carte planétaire, on va essayer de se diriger directement dessus, comme ça on verra bien si on y arrive ou pas. Ici, parfait, établir itinéraire. Bird Enterprise, celle qui rapporte le plus, ça m'intéresse. Ah, attendez, illégal dans la plupart des systèmes. Vous me filez des missions illégales?
On va se barrer de cet endroit. Je n'aime pas cette zone. Je n'aime pas cette zone. Le Bifrost. What the fuck? Là, je suis en tant que fan, chers amis, je suis obligé d'y aller. Hein. Désolé. Il y a le Bifrost. Puis il est bien écrit en plus. Hein. La gueule. La gueule. Il y a le pont arc-en-ciel. Hop. Crac. Oh non, c'est loin derrière. C'est loin derrière. Non. Bon, on va aller voir. Crac. J'ai envie d'aller voir ce Bifrost. Mais je m'approche pas, je me barre, espèce d'abruti. Bye bye. Hop, on saute. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de cet épisode ou pas? Parce que c'est aussi ça les Dangerous, hein. C'est les pérégrinations dans un univers assez gigantesque. Hop. Voilà le nom de l'épisode. Il est tout trouvé. Crac. Et crac. Alors, la suite. Alors, où qu'il est le Bifrost? Il y a des zones de conflit, mais il y a... Ah si, elles sont juste à côté. On va peut-être trouver d'autres zones de farm. Ah, mais il est peut-être pas... il est peut-être pas fédération aussi, cet endroit-là. Attendez. Attendez, ça m'inquiète. Elle est dans le soleil ou c'est moi? Elle est dans le soleil ou c'est moi? Je le sens pas, le petit coup du tu vas griller, Marcus. Non, ça va, elle est pas dans le soleil. Mais je sens quand même le petit coup du tu vas griller, Marcus. Je vois plus le chat. Ah! Bon. Ok, c'est bon. Je bourre un petit peu la vitesse. Hop. Crac, c'est bon. Alors, où qu'elle est? La vache, il y a du monde dans le coin. Vous savez que je le sens pas du tout, cet endroit-là. Tu vas t'arrêter ou pas, vaisseau? On s'est pas arrêté loin, hein. Le frein à main, il n'existe pas. Et je pense qu'on est bon. Par principe, on va aller voir. Indépendant, ça m'intéresse moins. Mais par principe... Ah, c'est... Ça m'embête de laisser passer ça. Ah, ça m'embête, merde. Merde. Voilà, c'est dit, je craque. Allégeance, fédération. Il y a un truc qui a un nom sympa dans le coin. Guru me casse. Guru me casse. Il est en pleine élection. Si, il se passe des choses chez nous. Je te crois pas. Je te crois pas. Spock. Bon, c'est pas la bonne écriture. C'est pas la bonne écriture, mais ça vaut peut-être le coup d'y aller. Y'a qu'un seul saut, remarque, on va gagner du temps. Mais bon, là il se sera pas passé grand chose à part au début de l'épisode. Hein. J'ai pas envie de me rendre dans les systèmes où faut grinder à mort. Parce que d'une, il y aura déjà trop de monde. Hop. Et de deux, ça risque d'être nécessité de mettre du fric dedans. Et j'ai pas envie de mettre des millions de cents dedans. Sauf que ça va pas m'apporter grand chose. Ça m'embête. Mmh.
sleeping. Ah. Ah, ah, ah. Attendez. Là, je vois des choses un peu plus sympathiques, pour le coup. Parce que du riche, ça veut dire qu'il y a de la sécurité. Et du gens. Et des gens, pardon. Ce qui est en soi une excellente chose. Ah ah! Attendez. S'il y a une station juste à côté, ce serait vraiment génial. On va d'abord... Il y a une station juste à côté. Ça pourrait être sympa. Ah! Ah ah ah. Aurions-nous trouvé une un compromis idéal pour la fin de cet épisode? Aurions-nous trouvé un compromis idéal? Hop, on laisse scanner. Crac. Parfait. Alors. Scan detected. Ok. Oula, ça me scanne. On fait un grand appel au don. Gif, toutes mes excuses. Alors attends. Scan detected. Non, sécurité. Attends, le coup de l'appel au don, je l'aime bien. Le coup de l'appel au don, je trouve ça rigolé. Je trouve ça rigolo, pardon. Ah. Amusons-nous un petit peu. Le coup de l'appel au don m'a bien fait rire. Hop les... Et... Dans 3, 2, 1... Il est un peu loin pour que je tire. Okay. Oh... Petit joueur. Hop, non. Access denied. Boum. Aïe. Hop. Crac. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais bon. Why not. Il y a un autre combat dans le coin. Un autre combat dans le coin. Je crois que c'était Rapace en plus. Et je crois qu'il a... Non, il a gagné. Non, c'est pas Rapace, c'est son ennemi. Le Vulture, garde de l'Alliance, ce serait ça. Recherche, tiens donc. On va essayer d'arriver sur place avant qu'il se fasse défoncer. Je vous le promets pas. Ils sont nombreux. Hop. Avant qu'il ne défonce notre ami au passage. Hop. Oh, il en a après moi. Il est mignon. Oula, on évite de m'attaquer les mecs s'il vous plaît. Hop. Crac, il est mort. Non, rien qui nous intéresse. Andrew, qu'est-ce qu'elle renferme cette jolie soute? Andrew, tu me scannes et t'es un anaconda. T'as pas genre très très peur dans la zone là où il y a plein de flics? Oula, ça c'était risqué par contre. Fais gaffe Marcus, fais gaffe quand tu tires comme ça. Oh mais merde, je rate tous mes tirs. Ah, il va l'esquiver. Non.
Allez! Allez, touche pas! Je vais me rapprocher. Et merde! Boum! Celle-là, tu l'as senti passer! Hop! Hop! Crac! Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Il avait une quantité de bordel. Bon, je me refais scanner. Par Victoria, c'est ça? Ok, par contre, il va falloir qu'on aille rendre les. Oula! Le bouton qui est hyper sensible. On a plein de fric sur nous en. Oh là là, on a plus d'un million. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On va retourner dans la zone là-bas. Au moins, on rigole bien dans la zone là, c'est sympa. Vous voyez, elle est pas trop mal celle-là. Andrew, t'étais pas un peu con sur les bords, mon ami? T'es quand même létal. Je vais peut-être pas me frotter à toi. Non, non, ça va. Andrew est un mec bien. Andrew est un mec bien. Je rêve où il y a un gros groupe là-bas. Ok, un Cobra MK3 létal. D'accord. Rien de bien violent. Il est pas loin celui-là. Ah oui, il est juste là. Ah. Et alors toi? Oh, je l'ai raté! Ah non, j'ai pas fait exprès, excuse-moi. Boum! Boum, bitch! Voilà, problème résolu. Tu valais combien? 1500 crédits, c'est pas beaucoup. C'est quand même pas beaucoup. Toi, tu vaux combien? Oh, tu serais bien avec les trois. Ouais, avec les deux autres, toi, non, c'est ça? Ouais, d'accord. Bon. Ah, attendez, il y en a un autre par là. Ok, je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Si vous avez des conseils à me donner vis-à-vis du Flight Assist Off, je serai preneur. Ah, ils sont deux, ceux-là. Y'a quoi avec lui? J'en pense quoi? J'en pense ça. Ils sont au moins deux. Hein. Vulture, vous connaissez comment qu'on fait? Enfin, vous savez comment on fait? C'est un jeu entre accélération. Hop. Qu'il en avait après moi le sac. Hein. Allez. Au cas où, on joue la sécurité. Hein. Hop. Hop. Hop, voilà, on est plutôt bon. Il va passer derrière moi, n'empêche. Crac. Ils l'ont eu. Et il y a son cousin. Sa cousine, pardon, Julie, excuse-moi. Toi, tu es par où? Tu es décédé aussi, malheureusement. 80 000 et boum,
8500, ça fait toujours ça de prix. Ok. Par contre, ça fait un petit peu beaucoup de monde de la fête. Il y a un peu beaucoup de monde dans la région. Enfin, il y a un peu beaucoup de fonctionnaires dans la région. Qui c'est qui me scanne? Qui c'est qui se permet ce genre de choses? Ah, j'ai perdu. Processeur chimique. Ah, merde. On va les rater. Mercredi. On va les rater. Peut-être l'avoir finalement. Quoi? Ah, ça me l'a gaspillé. Non. Oh la gueule. Je te hais. Bon. On a un Vulture qui est arrivé dans la zone. On va regarder vite fait s'il est gentil ou pas. S'il ne l'est pas, on se le fait, vu le prix que ça fera. Félix? Fais gaffe, Félix. Il y a un Eagle dans la région aussi. C'est bon, vous pouvez y aller, pilote. J'aime tellement pas comment il me parle. Oh là là, comment il me parle? Comment ça me parle mal? Ah! J'aime pas ça, hein. Ok. Il n'y a pas un gros vaisseau. Ah, un hauler. Je suis toujours un petit peu méfiant sur ces vaisseaux-là. Et souvent avec raison, d'ailleurs. Hein. On va voir si je me trompe une fois de plus. Tiens donc! Encore une fois, mon pif ne m'a pas complètement abandonné. S'il se déplace pas, par contre, ça va faire très très mal pour lui, le pauvre. Merde, il commence à bouger. Oh, ça va pas toucher. Là, ça touche. Hop, les. Crac. Hop, les. Problème terminé. Vous êtes terminé. Bon, et lui, il avait quelque chose d'intéressant. Rien du tout. Il y a un pauvre Sidewinder pas loin. Toi, t'es quoi? Lara de Sador. Candice, comment tu me parles? Bah écoute. Je crois pas que tu sois attaqué à la bonne personne, Candice, honnêtement. Je pense que t'as fait une couille. T'as fait une couille, Candice. Eh bah t'as vraiment à faire pas plus fort que toi là pour le coup. Eh bah le fameux Lara de Sador. Oh. Mais t'as été stupide mon pote. Fallait pas faire ça. Oh, j'ai pas réussi à t'avoir, t'as du bol. Si j'avais été un peu plus intelligent, je l'aurais pu. T'as du bol. Qu'est-ce que vous aviez sur vous? Rien d'intéressant. Bon. Eh bah écoutez chers amis, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cet épisode ici en tout cas. On va se rentrer. Ouais tiens, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. N'oubliez pas de trouver le lien en arrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens. Et yo. Je l'ai tenu celui-là.